ce qui va se passer ici. Mais madame, c'est quoi ce comportement? Hein? Vous êtes aveugle, mais vous ne me voyez pas assise. Mais vous êtes malade ou bien, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, madame. Je suis... C'est très facile de faire des bêtises et puis après revenir demander pardon. Moi maintenant je suis assise avec ma tenue sale, et toi comment? Je vais vous nettoyer. Tu veux nettoyer tu... Tes mains sales, sales, tes mains crasseuses, attends, tu vas prendre pour me nettoyer, pour salir ma robe. Ma chérie. C'est quoi ces bêtises? Mais chérie, elle s'est excusée non? Mais je m'en fous de ses excuses, elle a déjà tout gâté. Et toi, qui es-tu pour venir la défendre? Une technicienne de surface vient me salir et toi tu trouves bon de la défendre. Si tu as amoureuse d'elle, c'est la faute d'hier. Je n'aime pas ça, c'est quoi? Yeah! D'ailleurs même, je me casse. Maman Nangai. Je n'aime pas ce genre de comportement. D'ailleurs même, ma facture, je paye seule. C'est ma facture comme ça, voilà. C'est pour moi seul. Comment ça? Mais je ne sais pas ce que je veux faire avec moi. Je m'en fous, débrouille-toi. C'est tous. Attends, mais tu sais qu'il est rien sur moi, tu ne peux pas partir comme ça. Yes! Tu dois payer pour moi. Yes! Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Yes! 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 La facture, s'il vous plaît. Ah, quoi? Bon, s'il vous plaît, je viens de constater que je n'ai plus d'argent dans mon sac. Est-ce que c'est possible d'aller chercher mon argent et puis revenir payer? Jamais, 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 jamais. Oh my God. Dans ce cas, vous allez aller voir la patronne. Et c'est qui la patronne? C'est elle la bonne patronne? Oui. Tout est gâté. Ok, merci. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Voilà. S'il vous plaît, madame, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, pour toutes les paroles de façon que j'ai eu à votre égard. Non, ne vous inquiétez pas. C'est moi, je dois être désolée encore, parce que c'était moi la fautive. Comment ça? Bon, ça m'a, j'accepte vos excuses. En fait, je viens de constater que je n'ai plus d'argent dans mon sac. Est-ce possible de rentrer à la maison, chercher mon argent puis revenir payer? Ah, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser partir. Il va falloir payer avant de partir. Et aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Je viens d'avoir une idée. Ok, je vais appeler mon oncle qui est en Europe, qui va m'envoyer de l'argent par l'application TapTapSend. Je vais recevoir sur mon numéro mobile money et je vais vous faire le transfert. Ah bon, hein? Fais la mode. Ah ah! Qui t'a raison? Ok, y'a pas de... Oui, allô, bonsoir mon oncle. J'ai urgentement besoin de 20 000 francs. Ah oui, vous pouvez m'envoyer l'argent là par l'application TapTapSend. Ah oui, merci mon oncle, merci. Madame, je vais vous transférer l'argent sur votre numéro mobile money. Ok. J'ai envoyé. Oh, j'ai reçu. Merci beaucoup. Si la honte pouvait tuer là. À cette heure-là, j'étais déjà enterrée. Yes! Cet imbécile idiot de pointeur là. Je ne l'ai plus jamais dans ma vie.